Salut à tous, c'est Gali, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War. Et aujourd'hui, on va parler de l'arbalète que j'ai débloquée. Hop, et on débloque l'arbalète. Et ouais, c'était beau. Et là, je te vois venir, tu vas me dire comment on fait pour débloquer l'arbalète. Eh bien, c'est très simple, il faut faire un mort en une balle. 3 fois dans une partie, dans 15 parties différentes. Bon, tu prends un sniper et ça va relativement vite. On est parti. On va faire cette petite inspection d'armes. Petite arbalète. On va voir ce que ça donne. Elles sont où les filous? Ouais, le premier. Cible éliminée. Ça, elle prend assez bien quand même. Ouais. Par contre, si tu loupes ta cible, lui en face, il va pas te louper. C'est quand même un gros temps de rechargement. Comme toutes les arbalètes, hein. Hop. Voilà, le deuxième, à droite. Vas-y. Oh, ça passait ça. Pas qu'il est passé le carreau. Carreau transparent sûrement. Une petite grenade. Allez, recharge. Le shoot était polo. Tu m'auras pas comme ça. Avion espion ennemi dans les airs. Après, le premier viseur qu'on débloque, c'est au niveau 8. Peut-être que c'est mieux qu'un viseur. Ah, moi je suis un fou, moi je fonce dans le spawn ennemi. Hop là, ça c'est fait. Bon débarras. On va mettre le petit brouilleur en dessous. Je déploie un brouilleur. Oh. Oh, il me suivait, lui. Il va passer là, logiquement. Il y a un gars derrière. Ah, ça passe, niveau 7. Éliminé. Ah, mais du temps à recharger quand même. Hein. Oh, ça passait ça aussi. Ouais, petit avion espion. Avion espion ennemi en approche. Oh, je l'ai pas vu. Il y a un gars qui arrive. Menace neutralisée. Pas vu. Je ne suis pas. Non. Oh, ça a dû passer ça aussi.
Hop. Le malaise. Ah, c'est qu'il y a un mec en dessous. Ouais, non, ça passe pas, mon petit. Là, reprends ta vie. Là. Ah, tu loupes ta flèche. C'est mort après. Cible éliminée. Contre-espionnage prêt à être déployé. Avion de contre-espionnage dans les airs. Je l'ai tué. Hop. Ah. Il n'y a qu'un qui a apparu. Je m'étonne. Hop, on va mettre celle-là. Putain, j'ai du mal avec ce char, avec ce viseur, moi. Oh, ça passait, ça. T'es trop tombé. Ah, et t'es à le pilou. Tu me revaudras. Ligne de gaz posée. Ah, ce sera pas le petit sanguinaire. Ah. Trop tombé de balles quand même. Avion espion ennemi en approche. Ah, ça a dû passer. Hop. Oh là là. Ah, dis que tu loupes ta flèche. Il faudrait dégainer deuxième arme aussitôt. Ah, elles sont partout. Elle recharge. Tourelle automatique ennemie active. Ouh. Ah là, ça campe, hein. Oh, ça peut passer, ça. Oh, allez. Ouais, pleine tête. On va laisser faire comme ça, non mais... Le suivant. Avion espion ennemi en approche. Hop. Oh non. Nous décevons la mère patrie. Pas d'où qui sort lui. Brouilleur opérationnel. J'ai l'impression que ça campe bien en face quand même. Hop, on charge.
On a un gars derrière. Oh, on est plus que 3. C'est pour ça que... Game bizarre, ça, encore. Votre brouilleur a été détruit. On finit bien. Une belle petite action à la fin. Son compte est réglé. On est parti sur un map express. L'entraînement est terminé. Montrez-nous. Bon, j'avoue, avec un viseur, ça va mieux quand même. Ah, la petite flash. Hop là. Petit filou. Non. Ah, là-bas. Ah, pas le temps. Ah, ils sont mieux. Hop.
Bon, j'avoue quand même, elle prend bien. Hein. Je dis que tu touches, le gars il est mort, hein, direct. Par contre, t'as vite fait d'avoir une retombée de balle quand même. Hein. Hop. Cible éliminée. Ouais, vachement puissante. Hop là, ça c'est fait. T'es belle, c'est bien. Hop, le quatrième, petite vengeance au passage. Allez, le sanguinaire cette fois-ci. Le sanguinaire qui passe. Ah ouais, bah là. Sur l'autre côté. Avion espion ennemi dans les airs. Grenade frag en approche. Temps d'activité de l'avion de contrôle. Je l'ai descendu. Sur sa camp là. Ah non, ça passe pas mon petit. Où ton collègue? Ah là-bas. Ouais, ouais. Donc quand on loupe la flèche, hein, c'est mort. C'est ce que j'ai déjà dit. Brouilleur déployé. Ouais, du monde. Trop de monde. RCXD ennemi détecté. Hop, niveau 21. Le double XP d'arme, il aide, hein, quand même. Ah, le deuxième, ah, ça passe pas. Ah, c'est bête, y a pas un système pour charger plus vite, là. Ce serait bénéfique, quand même. Ah, t'es sérieux? Cible neutralisée. C'est pas quoi t'as en lui. Colis stratégique ennemi en approche. Ah le petit collet. Ça recharge, voilà. Toi c'est fait. Ils sont tous au fond. Ah, il était au pompe, je crois qu'il était au sniper. Personne. Oh là. Débrouilleur a été détruit. Lalalala. Je suis avec toi, mon pote. À gauche. D'accord. Oui, pourquoi pas. La vengeance. SXD ennemi détecté. Ah, un blindage. Blindage. Ah, allez, allez. Putain, alors après son blindage, il était mort. Allez, au-dessus. Oh, ça passait pleine tête, ça. Ah,
Remettre la flèche. Personne en vue. Passer dans l'autre. Oh là. Ennemi appelé. Ah. Pas le temps de faire plus, lui. Le brouilleur est en marche. Ah, quand même vachement puissante, hein. Je t'ai entendu, toi. Ouais, il était là-bas. Je l'ai tué. Ah ouais, je l'ai tué. Hop là, ça aussi ça passe. Ouais, d'accord. Monte ta petite tête. Oh, c'est un alias. Tourelle automatique ennemie détectée dans votre ZO. Ah, il bouge plus. Il y en a deux là dans le couloir. Un mec à droite là-bas. Ah, il est où lui? RCXD ennemi dans votre zone des opérations. Ah, il est passé là-bas. Avion espion ennemi en approche. Plusieurs avions espions ennemis en vue. Ah. Dommage, je l'ai loupé. Allez. Ça va arriver de l'eau. Avion de contre-espionnage ennemi dans les airs. Avion espion ennemi dans les airs. Ouais, des tirs de loin. Position actuelle. Élimination. Ah, petit drone. Périmètre de l'avion espion établi à sécurité. Temps de mission de l'avion espion à 50%. Ouais, il est mort. Mais ça revient de côté quand même. Le troisième. Brouilleur déployé. L'avion espion rentre à la base. Attention à vous. Quel travail. Ah, tu m'auras pas. 22-11, ça c'est une bonne partie d'ensemble. D'être un champion. Ce qu'il faut retenir dans cette arbalète, c'est que tu tues en une balle dans la tête, le pied ou même dans le corps. Par contre, si tu loupes ta flèche ou s'il y a deux mecs, c'est vite le malaise. Après, tu peux prendre une deuxième arme efficace pour faire le poids. Et de loin, faut bien juger la retombée du carreau. Après, je trouve ça dommage qu'on peut pas plus la personnaliser, on peut juste changer le viseur. Il y en a que 4, il n'y a même pas un viseur de loin. On n'en voudra pas Activision, mais ils bâclent leur jeu quand même. Bon ben je pense avoir fait le tour, dis-moi en commentaire ce que t'as pensé de l'arbalète. Si tu as kiffé la vidéo, laisse un pouce bleu, abonne-toi pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Tant qu'à moi, je te dis à plus pour une autre vidéo.